Le train arrive à Miami en 1896 avec l'ouverture d'une gare par la Florida East Coast Railway. Mais en fait, c'est même carrément l'arrivée du train qui donne naissance à la ville. A l'époque, le sud de la Floride est peu peuplé et c'est le développement du chemin de fer qui permet aux colons d'arriver massivement dans la région. Dans le cas de Miami, c'était un petit village de moins de 400 habitants. Henry Flagger, le patron de la FEC, est convaincu par une des habitantes de prolonger sa ligne de chemin de fer depuis Palm Beach jusqu'à Miami. Pour le convaincre, elle envoie des caisses de citron de sa plantation pour lui prouver que, contrairement au nord de la Floride, la région de Miami n'était pas impactée par le froid. Voyant bien l'opportunité, Flagger lance le projet et sa ligne arrive à Miami en 1896. La ville a d'ailleurs failli être nommée Flagger en son honneur, mais il proposa plutôt de conserver le nom amérindien Miami. En 1905, la FEC prolonge sa ligne vers le sud jusqu'à Key West. Dans les années qui ont suivi, la ville de Miami a connu un boom immobilier et économique sans précédent. Du coup, ça a attiré une compagnie rivale, la Seaboard Island Railroad, qui ouvre la gare de Yale en 1926 au nord-ouest de la ville. Quatre ans plus tard, la ligne est prolongée pour se rapprocher du centre-ville et son nouveau terminus s'appelle Miami. Bon, là on va rajouter le nom des compagnies pour pouvoir différencier les deux gares. En 1935, la partie sud de la ligne de la FEC est détruite par un ouragan et abandonnée, la gare de Miami devenant ainsi le terminus de la ligne. Dans les années 60, on est en plein dans l'air de l'automobile qui a tant marqué les villes américaines. La ville de Miami souhaite alors que la gare et les voies ferrées en centre-ville soient démolies pour faciliter la circulation automobile. C'est chose faite en 1963 et le terminus de la ligne est reporté loin au nord, dans la gare de North Miami. Elle était desservie seulement par des trains de deux wagons et le service prendra fin en 1968. La FEC se recentrera alors sur le transport de marchandises. À ce moment-là, la gare de La Salle est donc la dernière de Miami à accueillir des trains de voyageurs. Elle est reprise en 71 par Amtrak, une compagnie publique créée pour reprendre le transport de voyageurs qui était déficitaire et permettre aux compagnies ferroviaires de se concentrer sur le fret qui lui était rentable. Cependant, la gare de Miami est plutôt vieille et ça se sent. Amtrak décide donc de créer une nouvelle gare moderne plus en amont, Miami Station, qui devient le nouveau terminus de la ligne. Elle est située au milieu d'une zone industrielle et relativement éloignée du centre-ville, ce qui la rend difficilement accessible. Pendant presque 20 ans, la situation ne va pas évoluer jusqu'en 1989, quand une ligne de trains régionaux, le Tri-Rail, est mise en service en Floride. Celle-ci est alors en terminus à la station de Miami Airport, qui n'est pas directement connectée à l'aéroport, même si elle ne se trouve pas très loin. Cette nouvelle gare est d'ailleurs située sur le site de l'ancienne gare de Yale, dont on peut encore apercevoir le bâtiment voyageurs. En 1998, la ligne est prolongée au sud à une nouvelle station plus proche de l'aéroport, qui reprend le nom de l'ancien terminus, qui lui est renommé Yale Market. Cette gare redevient brièvement le terminus de la ligne à partir de 2011 avec un nom temporaire le temps que l'autre gare soit rénovée. Elle rouvre en 2015 et redevient le terminus en plus d'accueillir désormais le métro et une gare Amtrak pour les trains longue distance. Celle-ci est cependant inutilisée aujourd'hui suite à une erreur de conception. En effet les quais étaient trop courts et le dernier wagon de certains trains bloquait le passage à niveau. Ça a été corrigé depuis et les discussions sont en cours pour que la gare devienne le nouveau terminus d'Amtrak à la place de l'actuelle qui a priori fermerait définitivement. Du côté du centre-ville, bonne nouvelle, le train revient finalement en 2018 avec la réouverture d'une gare légèrement au nord de l'ancienne, Miami Central. D'ailleurs, depuis la destruction 63, l'espace n'avait pas été construit et était devenu un parking traversé par une route. Miami Central devient donc le terminus de la Brightline, une nouvelle compagnie privée qui a ouvert une ligne sur les voies de la FEC entre Palm Beach et Miami. En plus d'une gare, c'est aussi un gros complexe immobilier avec des commerces, des logements et des bureaux. Et voilà l'état actuel de la desserte ferroviaire de Miami, une ville née grâce au train mais qui a vu ce mode de transport quasiment disparaître avant de finalement renaître ces dernières années.